Bonsoir à tous et bienvenue sur le live. Bonsoir à tous. Et on commence le live avec cette jolie chanson chantée par votre hôte, le Bacal. Et bonsoir à tous, bienvenue sur le Bacal Live, le live où on continue Mass Effect Andromeda. Et on va y mettre un bon coup ce soir, histoire d'avancer un petit peu. Et salut Mia, bienvenue sur le chat. Et bienvenue sur le Bacal Live. Le Bacal Live. La dernière fois, nous avions fait la mission dans cette petite bulle. Si j'ai bien compris le sens de votre question, je ne vois pas. Et nous devions continuer nos aventures fantastiques dans Mass Effect. Il faudrait que j'aille un petit peu sur la droite, il y a un... Comment ? Vous iriez bien. À ma place. Je suis venu trop tard. Alors hier soir, j'ai fini le live, il était 23h et quelques. Nous avons fait du PUBG. Un live de la bogossitude. Malgré tout ce qui a mal tourné ici, la vue reste impressionnante. C'est juste magnifique quand même. Franchement, ce qu'ils ont fait avec cette planète, c'est vraiment magnifique. Là, pour le coup, on peut vraiment pas dire le contraire. C'est juste fou ce qu'ils ont fait. Du déploiement automatisé de la station avancée. Parce que nous sommes sur une planète, mais en fait, on n'est pas sur une planète. On est sur un astéroïde reste d'une planète. Et en fait, ce que nous avons devant nous, c'est des morceaux de planète dans l'espace. Et du coup, nous sommes dans l'espace. Les zones minières ont été ajoutées à votre système de navigation, pionnière. Pionnière, il est possible d'extraire des ressources dans cette zone. Vous pouvez extraire des minéraux via votre interface minière. Non, vraiment, s'il y a un truc qu'on peut pas critiquer, c'est une partie de la direction artistique. Parce que si on peut dire que les nouveaux aliens ont quand même pas grand chose de spécial, qui sont assez terre à terre, il y a certains environnements qui sont juste prodigieux, quoi. Je serais le premier à critiquer beaucoup de choses, mais certainement pas cet environnement-là. Hein. Alors là... Si tout le jeu était comme ça, je l'aurais acheté. Non, ça aurait été chiant. Il faut quand même faire boum boum pam pam des fois. Ça reste quand même un jeu de guerre. Enfin, je veux dire, on est en train de conquérir une nouvelle galaxie. Notre sœur que Cid Vetra. Pour autant que je sache, non. On a des familles nombreuses, nous. On se sent plus fort quand on est entouré par sa famille. Un peu comme. Radiation mortelle détectée. Veuillez rester dans le nomade. Du loot. Protection.
Il est perdu. C'est pas grave, on va recommencer, on va faire ça mieux. On va essayer de gagner un petit peu parce que ça fait certes un moment que j'ai pas joué. J'ai quand même fait du PUBG. Et PUBG, c'est pas vraiment le truc où il faut tirer comme un dingue, quoi. C'est plutôt randonnée simulateur, quoi. Vous voyez, ça passe! Quand le baquet elle veut. En mode trichouze. Ramassons 2-3 pépites d'uranium qu'on va mettre dans notre pantalon. Ça devrait faire grossir notre pénis. Bon, on risque d'avoir un cancer, mais... S'en fout, il y a de l'uranium partout. Ça a l'air vachement mieux que ton datapad. Surtout en salade. Ah ouais, l'uranium en salade. De toute façon, ça et le Nuka Cola, c'est bon. On a la dose. Vous avez tant de délais que ça? Ouais, l'uranium dans le caleçon, quoi.
un grand classique, je sais pas. Tu le rends où, toi, ton uranium, Mia? Je suis en train de me dire, c'est peut-être mon chat à moi qui a du délai. Contient des ressources aussi précieuses. C'est l'effet des radiations solaires. C'est également ce qui rend cette planète aussi dangereuse. À chaque exalté qu'on tue, je ne peux pas m'empêcher de penser à la personne qu'il était avant. C'est terrifiant. Je les vois tous comme des tombes sans nom. Il reste bien au chaud. Et maintenant, j'ai envie de chercher, voilà. Vous pouvez entrer dans le sas avec le nomade pionnier. En vérité, ce jeu est tellement 10 fois plus violent que PUBG, quoi. Je reviens, je vais aller prendre mon goûter. C'est pas juste, moi aussi je veux goûter. Que je vois, du rouge, du bleu, du vert, je vois que... Un Bakel en live, un instant Black, ce n'est pas rêve, c'est qu'une chimère. Et non, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une chimère, ce n'est pas une licorne. Et pourtant, je porte mon t-shirt licorne. Ce n'est pas une licorne pourtant. Et en effet, c'est réel, le Bakel stream tôt aujourd'hui. Bakel live! Oh my god, explication. Alors, l'explication, c'est que bah, j'ai mangé un sandwich, en fait. Et vous comprenez, quand je mange des sandwichs, d'un coup, je me sens plus léger. Et non, en fait, j'avais juste envie de live, voilà. Pas de prise de tête, rien. Sam, tu as le fragment. Manquant. J'ai le code complet, pionnière. J'ajoute la base des exilés à votre système. Bien, il ne reste plus qu'à arrêter, Krex. Hey, salut mon Planus! Comment tu vas mon Planus? À part dire des conneries.
Faudrait que je vide mon inventaire. Des platines. Ça va, je me remets pas de mon skill de cet après-midi et tu as fait du skill. Et toi donc, mon petit baka? Eh ben moi ça va bien. J'ai fait qu'une heure sup aujourd'hui, donc je suis moins fatigué qu'hier. Et surtout, je suis rentré plus tôt. Ah, parce que là, hier, à cette heure-ci, j'étais pas encore rentré. Hein. Sam, j'ai besoin d'infos sur la base des exilés. Tu as quelque chose? La base se compose de deux dents miniers. L'accès au second est protégé par un code. Je détecte également plusieurs fréquences provenant de la zone. Il communique avec Kadara. Vas-y, c'est qui des Kadara là? Je m'en rappelle plus, moi. Mais hier, avec Dara, après ton départ, on a fait deux parties et ça s'est mal fini. Je dois bien dire qu'on n'a pas montré tout l'étendue de notre talent. Hey, salut mon Redo, bienvenue sur le live. Et j'espère que tu vas bien cette folle journée. Il fait beau, il fait chaud. Et il sent bon le sable de chaud. Ah, j'ai pas bossé. Et toi, mon Baku? Bah moi, j'ai bossé. Hein. Malheureusement, je n'ai pas le choix. J'essaierais bien de négocier avec mon patron pour rester à la maison et jouer aux jeux vidéo, mais j'ai peur qu'il veuille pas me payer mon salaire. Tu es sur la Lune. Je suis sur une planète qui a été détruite, en fait. Du coup, elle n'a pas d'atmosphère, on est dans l'espace sur les restes de la planète. C'est vraiment magnifique. Nous, cet après-midi, on a fait une partie en particulier où Dara était 30 mètres derrière moi. Il se fait wreck par une voiture, les mecs le loot, j'avais que le peupon. La grenade, j'arrive dans le nuage, 4 cartouches. Ah, GG, 2 kills! Tu demanderas à Dara, il a vu tout l'étendue de mon talent au flingue. Ça a été épique hier, hein. J'ai fait au moins 3 ou 4 kills juste avec le flingue. Je rushais pour mourir parce que Dara avait été tué. Et... En fait, Dara, c'est la cible. Oh oui! Accélérons.
Je vais me faire rect, je vais me faire rect, je suis bientôt mort. GG Planus et GG Red Force surtout. Oh, Red Force 36! Beau gosse! Quoi, je suis le seul à pas avoir un PC pour jouer à BUBG. Mais tu streams sur quoi, mon ami, sans vouloir être vexant sur la porte du secondo, pionnière. Mais tu sais que mon pote avec qui on jouait hier soir, qui s'appelle Yuchiro sur le jeu, il a pas mieux, hein, très franchement, hein, il a un vieux PC portable. Hein. Après, je connais pas vraiment les configs de ton PC, donc je vais pas te conseiller de l'acheter parce que je sais pas s'il va marcher. Mais tu sais, il faut pas non plus une machine de guerre pour faire tourner PUBG. Là où ça devient problématique, c'est le streamer en même temps. Ah, ouais, CSGO quand même. Pourtant il est pas si beau que ça, CSGO.
règle le problème de Krex et ses hommes. Mais je me demande toujours ce qu'ils fabriquaient. Je détecte un registre audio à proximité pionnière. Il pourrait répondre à vos questions. J'avoue que je pourrais pas répondre à ta question, en fait. Après, je sais que sur un PC portable, normalement, tu peux rajouter de la RAM. Faudrait peut-être te renseigner pour essayer d'en rajouter sur le tien. Non, je suis sur une tour. Ah bah, tu, dans tous les cas, tu peux rajouter, alors. Ou changer, en tout cas. Ouais, renseigne-toi bien avant quand même, parce que... Faudrait quand même pas faire une connerie, quoi. Le jeu est pas si cher, mais quand même. Il est pas gratuit. Franchement, cette ambiance toute rouge là, ça devient désagréable quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Autant de l'espace est sympa, une fois que tu rentres dedans, c'est vraiment moche, quoi. Alors j'imagine que c'est pour augmenter l'oppression que tu ressens à être dans un espace confiné qui te sépare de rien de l'espace, quoi, mais... Il est où le truc reliquat? Ah, tu devais pas m'indiquer un endroit reliquat? D'ailleurs.
Putain, j'avais pas vu, mais Black Star a fait un petit commentaire salé au milieu là. Sympathique. En même temps, vous faites que parler quand je me mets à tirer sur des gens. Regardez, là je suis en voiture, je suis tranquille, j'aurai le temps de lire ce que vous écrivez, et personne ne me parle. Il suffit qu'il y ait un mec qui arrive et qu'on se mette à se tirer dessus, que vous allez vous réveiller, et tous vouloir discuter. Pionnière, il est possible d'extraire des ressources dans cette zone. Vous pouvez extraire des minéraux via votre interface minière. C'est dommage que tu connaisses personne qui l'est dans tes amis. Et qui puisse te prêter son compte 5 minutes pour que tu fasses un test. Après tout, le mieux c'est de faire des tests. Ah oui, c'est vrai que Steam fait les remboursements maintenant. Il faisait que crash quand je lançais les portes. Forcément, c'est beaucoup moins sympa d'un coup. C'est quand même bien mieux quand ils sont dans notre camp. Ces protocoles sont limités, mais vous pouvez lui confier des tâches simples à l'aide de votre scanner.
y en aura d'autres. Je crois pas que ce soit fini. Je crois pas que ce soit fini. Je crois pas que ce soit fini. Il n'y a plus d'ennemis, tu lui fasses quoi ma petite raideuse? Ah mais si tu peux pas y jouer Red Force, ça sert à rien de. Enfin, ça sert à rien de faire des magouilles à gauche à droite pour acheter un truc que tu peux pas à quoi tu peux pas jouer quoi.
Comme tu veux, mon ami. Après tout, c'est ton temps et ton argent. Non, là, c'est 4. Je suis pas ta mère. Dans le fond, je suis pas ta mère. Je crois pas que ce soit fini. Je m'appelle Nono, le robot héros avec Ulysse, tel est ma quête. C'est qui les gars? Avec Ulysse. BG ou H1. Alors si ton but est de faire des vues, actuellement je crois que H1Z1 est un peu plus populaire. Même si j'en suis pas sûr à 100%. Non mais toi, ce que tu préfères. Ouais, mais soyons d'accord, moi je joue à des jeux, mais je suis pas la... C'est pas à moi de décider pour vous ce à quoi vous avez envie de jouer, quoi.
dispositif à interface comporte des indicateurs pionnières. Il pourrait s'avérer utile. Je crois pas que ce soit fini. Alors, ce sont tous les deux des jeux de survie. Ce sont tous les deux des jeux qui tournent avec un vieux moteur graphique. Pas dépassé, un peu vieux, c'est tout. Et ce sont deux jeux qui sont de style un peu différent quand même. Même s'ils ont beaucoup d'éléments en commun. C'est pas non plus exactement les mêmes jeux. Ça risque de mal finir. Préparez-vous au combat. Ennemi abattu. Sans parler que moi j'ai arrêté H1Z1 assez tôt en fait. Moi j'ai joué aux premières bêta, elles étaient horribles quoi. C'était juste de la chenille d'ailleurs. Des reliquats. Des reliquats dans un caveau.
C'est quoi le jeu Monadoa? J'allais dire c'est un petit jeu indé, mais c'est pas tellement un petit jeu indé quoi. Monadora, bah regarde la liste, tu verras mon ami, c'est un bon jeu. J'attends les soldes en fait, et d'avoir des sous aussi. Après moi j'aime des jeux un peu spéciaux, hein, donc... Ah, les strats PUBG, les gars. Ta 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 ta. Jouons comme un lâche. Et bon appétit, Red Force. A tout à l'heure.
plusieurs mécanismes s'actionnent. Le laboureur reliquat est actif. D'ici quelques années, la production d'hélium 3 va grandement augmenter. Transmets la bonne nouvelle à Tan. On a du carburant. Retournons à la surface. Bah quel live! Le live où on rocks du poney sur Mass Effect Andromeda. On est juste mort trois fois.
Bacal, bagal. Je jouais à Mass Effect. Bacal, bagal. Tout en me grattant les fesses. Bacal, idée de la mer. Oh. À avoir une augmentation considérable de la production d'hélium 3. Pas mal pour une planète qu'on n'avait même pas retenue. Merde, merde, merde! Écrit V3. Oh putain, il faut que je monte 36 points. J'ai juste abusé. Dire que avant le fléau, la planète n'était pas un astéroïde qui se balade dans l'espace. C'est magnifique. Protocole automatisé activé. Déploiement de la station avancée.